Shalom. 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 Berger Raphaël, le Béninois, préparez-vous, concentrez-vous et mettez-vous en prière avec moi. L'invocation du Dieu d'Israël est à l'œuvre. Détruisez les forces maléfices, se protéger contre les mauvais sorts. Écoutez juste cette vidéo et concentre-toi là-dessus. Quelqu'un qui est au dernier moment de son soupir, et si ce n'était pas son heure, il va se réveiller. Beaucoup de miracles vont se produire. Ceci, je le dédie spécialement pour tous les pasteurs et pour tous les frères, mes sœurs. Berger Raphaël le Béninois, votre frère, prions. Prière d'invocation à Dieu d'Israël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, face à l'Est ou dans votre voiture, peu importe. Paix au-delà de même des cieux. Vienne le temps, béni où votre volonté qui est toute perfection, comprise et acceptée par les hommes, leur servira de règle. Purifiez, sanctifiez nos âmes, qui s'unissent dans l'ardent désir de hâter la revenue de ces jours. Heureux, éclairez nos entendements, embrasez nos humaines volontés. Inspirez de votre Esprit Saint toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos souffrances, que nous lions comme un bouquet de roses pour vous en offrir le parfum. Rendez-nous dignes d'être admis dans les rangs sacrés de tous ceux qui, dans le visible comme dans l'invisible, se consacrent à la réalisation de votre volonté. En ce terrestre monde, signe de croix, Dieu Tout-Puissant, Dieu Omnipotent, qui remplissait et gouvernait l'immensité divine, infinie des mondes que vous avez créés, que votre Esprit Saint, votre Saint et imprononçable nom soit loué, que votre volonté soit faite. Que tout ce qui a reçu votre souffle immortel respecte et suive votre sainte loi. Conservez-moi la santé de l'esprit, afin que je ne cesse de vous glorifier et de mieux vous comprendre, ainsi que la santé du corps, pour travailler à secourir les miens, aider mon prochain et servir ma prière et ma patrie. Je suis homme et faible, donnez-moi la force de combattre le mal. Si je succombe, donnez-moi le repentir. Ne punissez point à cause de moi mes ennemis auxquels je pardonne. Enfin, quand j'aurai été dépouillé de cette enveloppe corruptible, rapprochez-moi de vous de plus en plus, afin que je vous connaisse et vous aime davantage. Signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô vous, qui, par qui tout a été fait, et par qui tout sera transformé, pour retourner à la source première, principe émané du Saint, de l'Éternel, arme de l'univers, divine lumière, je vous invoque, arme en aide. Oui, venez, fruit du Créateur,
été nourricière, pénétré mes sens, amolli. Et vous, auguste messager du Très-Haut, ange de lumière, esprit céleste, vous tous ministres des volontés de mon Père, Dieu, vous l'avez déjà ressuscité, venez à moi, j'implore votre secours. J'implore votre assistance. Hâtez-vous, venez me éclairer et me guider. Portez à Dieu ma prière. Il connaît mes désirs. Je veux soulager mes frères, les fortifier, les maintenir ou les rendre justes devant lui. Je vous implore par le Fils unique, s'attirer du Père, qui règne avec le Saint-Esprit en l'unité d'un seul Dieu. Signe de croix. Seigneur, accordez-moi la force pour résister, la patience pour souffrir, la constance pour persévérer, l'ardeur de votre esprit et l'amour de votre nom. Éloignez de moi les doctrines errantes, préservez-moi des malignes influences des sacerdoces dégénérés. Purifiez-moi de toute idolâtrie, si séduisante soit-elle. Apprenez-moi à vous aimer comme vous voulez être aimé et pénétrer si profondément mon être qu'à l'heure de la séparation d'avec le corps physique, mon dernier souffle s'exhale en disant, je ne crains rien, nul ne peut nuire, j'ai vaincu la seconde mort, car en Dieu seul est mon amour et ma science, sa volonté, toute ma loi. Je me présente à vous, menu de la grâce de Dieu, de sa compréhension et de son amour, avec humilité de Jésus-Christ, qui est notre Dieu humain, avec la force et la parole du Saint-Esprit, qui est la lumière du Père, brandie par le Fils, avec l'étendard glorieux de la croix, accompagné de la glorieuse Vierge Marie, avec la pureté d'Abel, le secours de Noé, la foi d'Abraham, l'obéissance d'Isaac, l'annonce de Jacob, la patience de Job, l'autorité de Moïse, la sainteté d'Aaron, la sagesse de Salomon, la victoire de Josué, la justice de David, la force de Samson, la puissance de Pierre, l'assurance de Paul, la chasteté de Jean, la science de Jacques, la parole de Matthieu, la contrition de Grégoire, la prière de Clément. Par la splendeur du ciel, du soleil, la clarté de la lune, la latitude du ciel, la longitude de la terre, la profondeur de la mer, le cours des fleuves, la gloire de la Jérusalem céleste, les secours de tous les saints et celui de notre Seigneur Jésus-Christ, que celui de Dieu qui est issu de la bienheureuse Vierge Marie éclaire mon esprit de sa lumière, qu'il change l'inimité de mes ennemis en amour, que leur mauvaise volonté, leur dessein pervers et leur projet pernicieux soit anéanti par sa lumière, et qu'en vertu des saints et imprononçable nom de Dieu, du grand Dieu tout-puissant, tous leurs efforts soient inutiles et sans effet, que ce même homme Dieu qui est né de la bienheureuse Marie Vierge change en bien et pour mon avantage toutes les mauvaises et
leurs diaboliques pensées. Amen. 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 Que Jésus-Christ, le représentant de Dieu sur la terre, signe de croix, rempli de tendresse et de compassion pour les hommes dont il est le juge, des vivants et des morts, que les saints noms de Dieu Tout-Puissant me servent de puissance bouclier, puissante bouclier et de casque contre les traits envenimeux de mes ennemis, afin qu'ils ne puissent aucunement nuire à moi. Vous dites votre nom, Berger Raphaël. Vous dites votre nom. Qui suis créature de Dieu. Amen. Signe de croix. Jésus-Christ est victorieux. Signe de croix. Jésus-Christ règne. Signe de croix. Jésus-Christ commande. Signe de croix. Jésus-Christ me délivre et me préserve de toute adversité et de la mort éternelle, moi qui suis sa créature. Amen. Louange soit rendue à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie. Vous les empoisonneurs de l'esprit, Dieu vous détruira, signe de croix. Il vous enlevera, il vous arrachera de votre demeure, il vous déracinera de la terre des vivants pour châtier votre malignité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'au seul nom de Jésus, tous genoux fléchissent, célestes, terrestres et même infernales, et que toutes supplions, toutes publiant hautement que notre Seigneur Jésus-Christ est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, jouissant de sa gloire, glorifions la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle se trouve notre salut, notre vie, notre résurrection spirituelle, par lesquels Jésus-Christ nous a collectivement sauvés. Que Dieu répand sur nous les effets toute puissante de sa bonté et qu'il nous comble de ses bénitions, qu'il fasse briller sur nous la lumière de son visage et qu'il nous secoure par sa miséricorde. Amen. Que Jésus-Christ soit votre fierté. C'est ce que le Seigneur m'a dit de faire en ce premier samedi du mois de juin. Soyez bénis. Shalom. Plus 229-95-26-41-46. Paix dans le cœur. Shalom.